جمال بوكرشاء وليد المدنية صح يحب الرياسمة هو يسكن في الأردوت قبيلي ميتي على قنزات عبد الله قبيلي بيان سور حمل أخشطة في جياسكا تحمل الطاس ويه لي بروبلام On peut dire معرفة ماشي معرفة ماشي ما نكذبش والله ما نكذب كنت نقرا في فرنسا ونجي نخدم في الجزائر لي فاكونسي فاكونسي هذاك الوقت في الإذاعة يخدموا الناس فاكونسي لا ميوزيك بروغراماتور يخدموا ومن بعد كي عاودت رحت بون نربح شوية دراهم نشري بيه دافيون ومن بعد كي عاودت رحت كملت القراية جيت وعندي خويا يخدم في الإذاعة قال له الديريكتور قال له خوك جمال واش هو يدير قال له قاعد في الدار قال له ما حبش خدمة ولا قال له نسقسيه مون فخير الحق للدار قال لي يا خويا يسلم عليك واحد منا وشكون كذا قال لك ولا حبيت تخدم قلت له بيان سير نخدم غدوه راه شوفوا لندن مرات بديت الخدمه ما لا لا لا, لا معرفه صحيحه اش بك لا 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 ماشي 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 كاينين ماشي كاع ولا كاين جا لا كاين جابوها كاين جابوها بقرايتهم لا لا كاين جي كومونسي لا فاريتي ومن بعدك جاو واحد الجماعه في عبد الله بن خلف الله يرحمه كيتي لي ريسبونسابل دي سبور جاو جماعه يجوزوا تيست قال لي عسهم عسيتهم زعما تويتو انا نعس دا وزعما جوز تسمعهم سمنهم بعد لقيت اسمي في الليسته جا قال لي تيو سيرفيس دي سبور قلت له لا لا جو سوي لا برودكسيون انيماسيون قال لي تيو سيرفيس دي سبور وقعدت في سيرفيس دي سبور ما ندمش مع لقيت غردي اش بيك لقيت الصطاد باطل ومبرح المهم اللي كنت صغير نحب ندير لي كومونتير دو باتش لعبتها رجلا سي ميتنون كو جو ريغريت جي توجور جو مي سوي دي جو سوي ني ا لانس الناس عم يديروا كوا يروحوا مو سي بور مي زونفون باسكو مو خلاص لا ريتريت اي جو ديزي ورجلا شويه وانا نروح لفرنسا وكي نروح كاسكو جو فيغ ان فرانس واش ندير فرنسا يا با البولو جورناليست شان 3 تو فاتر بيع الفاكهه في مارشي تاع لانس سي في با ولا شراو عليك ديجا ايه يفون اشتي شي لي بولوني باسكو لانس دي بولوني انا سي بارتيكولير غير نكون نهضر قال خو انت ما تخدمش الاذاعه نقول له وي انت ماشي جمال بوكرشا نقول له كيفاه نقول له لا فوا تاعك مو سي با لي ما سي لا فوا انا نو شي نو على الراديو نو يا با دباغار شي نو شي نو 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 شي نو سيريو سيريو شي نو يا با دباغار شي نو على الراديو جي كومونسي ان 88 c'était pas moi, bon peut-être qu'il y avait un ou deux concurrents, mais mon directeur avait décidé que ce soit moi, et c'est parti comme ça, d'année en année, ou de Coupe d'Afrique en Coupe d'Afrique, c'est devenu Jamel l'Africain, Jamel Coupe d'Afrique, peut-être on aurait pu m'appeler Jamel Khan, et là c'est parti, 88, 90 et ainsi de suite, et personne ne dit pourquoi, hein, pourquoi c'est Jamel qui part en Coupe d'Afrique des Nations, comme moi je dis pourquoi c'est X ou Y qui fait les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde. Mais avant il n'y avait pas beaucoup de chaînes étrangères qui couvraient, hein, même les pays qui participaient n'y allaient pas, à l'exception peut-être de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, quoique la Tunisie, ils n'y allaient pas beaucoup pour couvrir les événements. Il y avait l'Algérie qui envoyait une forte délégation pour couvrir, il y avait les chaînes françaises, les RFI, Radio Monte Carlo Moyen-Orient. Il y a plus compétent que moi. Je suis compétent, c'est vrai. Il faut le dire. L'Afrique, j'aime bien. C'est vrai, il y a des bagarres sur place en Afrique. Ça se passe, c'est difficile. Vous savez, vous arrivez en Coupe d'Afrique des Nations, la première des choses, dès que vous descendez de l'avion, il faut courir pour avoir une accréditation. À l'époque, il n'y avait pas de problème. On arrivait, on accréditait tout le monde. Il n'y avait pas de site de la CAF. Il fallait se faire inscrire et tout. On arrivait, on est journaliste de tel pays. On donnait notre passeport et ça marchait. Puis après, c'est devenu un peu plus compliqué avec les droits de retransmission, télé, radio. Et alors, il faut se bagarrer. Vous avez toutes les nationalités, tous les pays d'Afrique qui participent, même des étrangers qui viennent d'Europe, d'un petit peu partout dans le monde, pour suivre cet événement. C'est vraiment très important. Alors, il faut faire des coups. C'est un petit peu la boxe.
Eh bien, 13, je crois que c'est un record. On n'est pas prêt de le battre. Peut-être le jour où je partirai en retraite. Mais ça sera dans 2 ans. Alors, c'est pas demain la veille. Une corvée, non. Non, non. Faire l'Afrique, c'est pas une corvée. C'est un plaisir d'aller en Afrique. On pourrait m'appeler Jamal l'Africain, quoique je suis africain et je suis algérien. Mais les Coupes d'Afrique des Nations, c'est un petit peu particulier. J'ai jamais fait de Coupe du Monde de football, je ne sais pas comment que ça se passe. Mais l'Afrique, ça reste l'Afrique. Ça a des particularités. C'est de retrouver des gens. Je peux vous dire que même en Afrique, quand je vais dans des Coupes d'Afrique des Nations, je retrouve des gens que j'ai connus lors de la première Coupe, parce que ma première Coupe, c'était en 1988. C'était au Maroc, Maroc 88. Et c'était ma première. Et je devais pas y aller. Il y avait d'autres concurrents et tout, et tout, et tout. Et mon directeur de l'époque avait décidé que ce soit moi qui couvre cet événement. Et là-bas, j'ai connu des gens. Et au fur et à mesure des Coupes d'Afrique, puisqu'il y a eu la seconde, c'était en 90, j'ai retrouvé ces gens-là. Et au fur et à mesure, maintenant, je me dis, pratiquement, à chaque fois, j'y vais. Bon, j'apprends peut-être que l'un est parti en retraite, que l'un est décédé. Mais c'est tout un plaisir d'y aller en Afrique. Moi, c'est 13. Hein. C'est 88, 90, c'est chez nous. 92, Dakar. 94, à Tunisie. Quoique l'Algérie n'était pas qualifiée, mais la radio nous avait envoyé. On avait fait des accréditations. À l'époque, il n'y avait pas de droit de retransmission. 96, c'était l'Afrique du Sud. 98, le Burkina Faso. Le 2000, c'était le Ghana-Nigeria. 2002, c'était Bamako. Oui, Mali. Mali. 2004, c'était en Tunisie. C'était avec la fameuse histoire avec Sfax. Sfax, Achioul, Harami et tout et tout. Usmist avant tout. Vous rigolez. Quoi encore? 2006, c'était l'Égypte, le Caire. Il n'y avait pas l'Algérie, on a été la radio. 2008, j'ai pas été. La 2008, c'était également Ghana. Je l'ai pas faite. 2008, 2010, c'était Luanda. C'était un pays très cher. C'est comme la Guinée équatoriale maintenant. Il paraît que ça va être très cher. 2012, il y a eu une nouvelle fois Guinée-Gabon. J'y étais pas. 2013, c'est la dernière, celle de il y a 2 ans, Johannesburg. Et il va y avoir, Inch'Allah, c'est là de celle qui va arriver dans quelques jours. À l'époque, il n'y avait pas la méphloquine, ce qu'on appelle l'ariam. Et on ne faisait pas le vaccin de la fièvre jaune. On y allait comme ça. Il y avait ce qu'on appelait la névaquine. C'était un petit comprimé qu'on prenait tous les jours. Maintenant, la méphloquine ou l'ariam, c'est une fois par semaine, le même jour, à la même heure. Et on se faisait vacciner, ou on se fait toujours vacciner, à l'Institut Pasteur ou à Al-Qatar, la fièvre jaune. À l'époque, on y allait, on ne savait pas qu'il y avait des maladies, on y allait pour y aller. Pour nous, l'Afrique, c'est l'Afrique. On partait avec l'idée que chez nous, il y a des maladies, si on en a chez nous, il y en a chez eux. Oui, 88, ça me rappelle beaucoup de choses aussi, le tirage au sort pour se qualifier. Au dépens de la Côte d'Ivoire. Et c'était Hayatou qui était... Il y a eu tout un tralala. Il y avait Blaise Lacarne qui était président de la fédération. Il fallait prendre une boule. La première boule qui était tirée avait le droit d'aller tirer la première boule, et ainsi de suite. Et il y a eu. Ça tirait de partout. Et heureusement, ça a tiré dans le bon sens pour l'Algérie, puisque c'est l'Algérie qui a été tirée pour se qualifier. C'était l'année où Hayatou a été élu. Il est toujours en mandat. Et je crois qu'encore pour 2 ans. Moi, j'avais pensé à autre chose. J'avais fait celle, la première en 88 à Casablanca, et je me suis dit, avant ma retraite, je terminerai celle de 2015 au Maroc. Je commence au Maroc, je termine au Maroc. Bon, maintenant, c'est en Guinée équatoriale, donc je vais faire un effort pour terminer en Algérie en 2017, si c'est chez nous, bien évidemment. Et j'espère que ce sera en Algérie. Bon, maintenant, ceux qui vont nous regarder, s'ils veulent de moi, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Hein. Je pourrais leur couvrir une Coupe d'Afrique en plus et je vais tenir toujours mon record. Avant moi, il y avait Mokhtar Chergui, l'Airhamou. C'était le doyen des journalistes qui avaient couvert les Coupes d'Afrique des Nations.
c'était le recordman, c'était la personne qui avait fait le plus de Coupes d'Afrique. Il y en a qui se revendiquent également d'en avoir fait, et quand je leur pose des questions bien précises, et ils n'ont pas de réponse, et ils font semblant de ne se pas rappeler, comme ceux à qui j'ai posé la question de 88. Bon, 90, le moment de la fête, cette Coupe d'Afrique, c'était chez nous. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils ont fait 10, 11, ils se reconnaîtront. Et je ne sais pas s'ils seront en Guinée équatoriale. Ah, ils vont la comptabiliser, cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire, plus il y en a, plus c'est bien pour eux. La première m'a marqué, c'était au Maroc, c'est qu'on les croisait, ces joueurs, on les croisait sur le boulevard Idou Anfa. Il y avait l'hôtel Anfa et les joueurs étaient logés là-bas. Et on les croisait, on se voyait dehors, on allait au souk, on les voyait. Et du côté des joueurs, on allait à la cafétéria, on les voyait. C'est facile les interviews, c'est tout le contraire. Bon, les 10 premières, hein, jusqu'à peut-être 2000, de 2000 à maintenant, ça a changé. Hein. Ça a changé. Pas avec un joueur, avec un entraîneur. Avec un entraîneur, c'était le regretté Rogov. C'était au Maroc en 88, il y avait également Rachid Cheradi avec. Et puis il y avait un match qu'on devait jouer, la presse algérienne contre la presse marocaine. Ils voulaient nous faire un match. Et puis tout le monde voulait jouer contre le Maroc, on était tous volontaires. Les Arfi Lab, Galek Nelab, les Me'arf, Galek Nelab. Bon, on a été dans le hall et puis il y avait Rogov. Monsieur Rogov, on va jouer un match contre le Maroc. Jouer un match Maroc ? Il dit oui, monsieur Rogov, on va jouer un match Maroc. Monsieur Rogov, donnez-nous tactique, comment jouer ? Oh non, moi pas donner tactique. Après vous perdre, dire monsieur Rogov, pas bon entraîneur. Bon, on est parti, on a fait l'équipe, celui qui a joué, tout le monde a joué. Et puis, on a été battu, 5 buts à 1. Ah, on a pris la raclée. Non, mais ce qui était bien, ils nous avaient promis les maillots, les shorts, les bas et les souliers. Mais on s'est retrouvé avec les maillots, les shorts, les bas, mais pas les souliers. Alors, il y a des gens qui ont joué avec les chaussettes. C'est pour ça qu'ils nous avaient battus. Non, c'était prémédité. Gaborona. Alors, on revient l'après-midi. Il y avait les joueurs dans l'hôtel, Rogov. Puis Rogov, il nous voit arriver. Alors, équipe, gagné ? Non, monsieur Rogov, on a perdu. Combien perdu ? Il a perdu 5 à 1. Ha, ha, ha. Vous, heureusement, faire équipe par M. Rogov, après dire M. Rogov, pas bon entraîneur. Et puis, avec les joueurs, tout m'a critiqué, tout m'a zroga et tout. Non, ça nous a marqué. Dans la même Coupe d'Afrique des Nations, ce qui était bien, on allait dans les chambres des joueurs. On avait le droit d'y aller dans les chambres des joueurs pour les interviews. Puis, il y a des joueurs qui prenaient du café noir, qui fumaient des cigarettes, normal. Pas dire autre chose, les cochons dans l'espace. Non, pas de bière, pas de bière. La cigarette qui donnait des drôles d'effets. Bon, on y a. Non. Oh, quoique tout le monde a goûté à ça. Moi, quand j'étais étudiant, si. Non, mais c'est vrai. Et on allait dans les chambres, et puis il y avait Sahrat, ça allait jusqu'à minuit, 1h du matin, 2h du matin. Mais le lendemain, quand il y avait entraînement, ils étaient en forme, hein. Ils étaient en forme. Mais ça nous permettait, nous, de faire notre travail, de faire des interviews au Saharom Ahom. Et il y avait une complicité. Tout le contraire de maintenant. Maintenant, il faut un rendez-vous, il faut demander à l'attaché de presse, il faut voir l'entraîneur, il faut voir le président de la fédération, s'il est de bonne humeur. Sinon, il est pratiquement jamais de bonne humeur. Non, on a l'impression qu'il n'est pas de bonne humeur. Parfois, Dieu, je perds le président. Ah, d'accord, il est Agda. En Afrique, il y a beaucoup de Libanais. En Afrique, il y a beaucoup de Libanais. On allait dans ce qu'on appelle maintenant les supérettes. Eux, c'était des mini-monoprix. Et là, on croisait des joueurs d'autres pays avec des survêtements et qui allaient faire des achats, acheter du yaourt, acheter du chocolat. C'est tout le contraire de notre équipe nationale. Par le passé, si. Maintenant, non, ça se fait pas. La dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'était... On avait fait Luanda, on avait fait l'Afrique du Sud. J'étais pas à Johannesburg, on était à Rustenburg. Eh bien, les équipes qui étaient à Rustenburg, on les croisait. C'était un petit village, c'est pas une grande ville. Mais on les croisait avec les survêtements. L'équipe d'Algérie, non. À Luanda, l'équipe d'Algérie était pratiquement dans une caserne.
Il y avait l'entraîneur était Rabah Saadane. On y allait, il y avait un portail fermé, il fallait parler à l'interphone, il fallait que quelqu'un vienne. Non, pour les autres équipes, non. Au Mali, j'avais croisé, vous allez me dire pourquoi lui, c'est le joueur qui jouait à Lens qui est parti en Angleterre, le Diouf, c'est ça ? Hadji Diouf. Alors Hadji, pourquoi lui ? Non, pourquoi lui ? Parce que il ne me connaissait pas, hein, il ne me connaissait pas, moi je connaissais deux noms sur les photos, pourquoi Lens ? Parce que je suis né à Lens. Bon, quand je l'ai appelé, il ne s'est pas retourné, Hadji Diouf, il allait monter dans le bus. Quand j'ai dit Hadji Diouf, le RC Lens, il a souri, il est venu vers moi. Je lui ai expliqué Lens, Bouvard Basli, tout et tout, tous les coins que moi je connais, que lui connaît. Et il est resté avec moi un bon quart d'heure et on a discuté, on a pris des photos ensemble. Ça aurait été avec notre équipe nationale, je ne pense pas qu'on aurait pu le faire. Ça change pas. Dans les zones mixtes déjà maintenant, quand il passe. Si on a gagné, il y en a un qui s'arrête. Si on a perdu, ils passent tous l'un derrière l'autre. Rien que pour nous, les Algériens. Le vent ne passe pas pour les autres, parce que quand il y a RFI, Radio Monte Carlo, France Inter, France Football, l'équipe, ils s'arrêtent. C'est pas ça. Il n'y a rien à dire. Non, mais c'est vrai, il s'arrête là-bas. Et alors, toi, quand tu arrives, tu vois le type s'arrêter à RFI. Bon, Philippe Zigraf ou Glassman et tout. Tu essaies de tendre ton micro. C'est que les autres chaînes n'aiment pas. Ils ne veulent pas que tu tendes ton micro parce que tu ramènes le même son que lui. C'est pas ta question. Tu n'as plus qu'à enlever la question, tu as la réponse. Ils n'aiment pas, ils te font ça. Et quand tu leur rappelles le joueur algérien. J'ai pas le temps, on est pressé, on part. Quand c'est la BBC, il y a des gars de la BBC, ils s'arrêtent, ils partent tous arabes, les nôtres, algériens. Entre nous, et quand il arrive là-bas, yes, I am, et tout. Et quand toi tu arrives, tu lui poses une question, tu dis j'ai pas le temps. C'est ce que j'aime pas le footballeur algérien en Coupe d'Afrique des Nations. Le contraire, par le passé. Par le passé, à n'importe quel moment. Bellomé, l'Akhdar, Arwah. Chaban, oui, Akraya. Chaban, Trika, Arwah. Maïch, et ainsi de suite, et tous les joueurs. Omar Kazal, là, Rahmo. Président, c'était un monsieur intellectuel. Hein. C'était quelqu'un qu'on respectait, qui respectait les journalistes. Omar Kazal, il y a eu Blaïd Larkan qui a été arbitre de football et qui s'est retrouvé par la force des choses, grâce aux élections, président de la fédération et qui nous comprenait. Après, qu'est-ce qu'on a eu ? Diaby, là, Rahmo, c'était un plaisir. Mohamed Diaby, c'était un plaisir. Il y avait Mohamed Diaby, il y avait Manou Boufarik, qui était son adjoint. Et on rigolait bien, c'était au Burkina Faso. Qui encore c'est tout hein. C'est pas qu'ils sont pires, ils croient qu'en faisant ça ils font quelque chose de bien. Ils facilitent pas la tâche à la presse. On a l'impression que ils nous veulent du mal, peut-être que ils ont peur qu'on dise des vérités, quoique c'est notre travail hein, de relater ce qu'on a vu. Mais je sais pas. Dès que vous vous approchez d'un joueur, vous avez un garde du corps qui arrive. Dès que vous arrivez devant l'entraîneur, vous avez l'attaché de presse qui se pointe. Mergoa. J'ai pleuré, c'était contre le Nigeria, au Maroc, c'était à Rabat. On avait perdu bêtement en tir au but, un match qu'on pouvait peut-être gagner, je ne sais pas, peut-être c'est la malchance, vous avez les tirs au but, c'est ou vous marquez ou vous ratez. Et pourquoi j'ai pleuré ? Parce que j'ai vu tous mes confrères, on était tous un groupe, et ils pleuraient. Moi j'étais en train de commenter, et j'entends des pleurs derrière moi. C'était Boukerdous, que tout le monde connaît. Il travaille à Chab. Je ne sais pas, je lui passe un bonjour, un coucou. Et lui, il bégaye, Boukerdous. Il a un petit défaut de langue, il bégaye. Et ce jour-là, il était en train de pleurer. Mais quand il pleurait, Boukerdous parlait.
Il ne bégayait plus. Il avait oublié le. Et il était tout content. Il s'est dit ça, il y a Tserrahio. Mais Boukardis pleurait, on avait pleuré aussi. À un certain moment, on lui a mis de l'eau. Pour rigoler, pour l'anecdote, quand elle lui a mis de l'eau, il est redevenu bègue. Non, mais c'était un match qui j'ai pleuré. J'ai pleuré ce match-là. Je me suis dit qu'on pouvait aller en finale. Une équipe algérienne en Coupe d'Afrique des Champions. Parce que c'est le séjour est court. C'est pas le séjour est court, c'est l'ambiance est meilleure parce que c'est une seule équipe. Vous êtes en contact de l'équipe, vous partez avec l'équipe, vous vous retrouvez avec l'équipe, vous êtes dans le même hôtel, vous mangez pratiquement ensemble et tout le monde se connaît. Surtout, j'avais fait ça avec l'USMA, c'était au Cameroun, c'était à l'époque de Saïd Alir. Au Cameroun, on se sentait même joueur parce qu'on avait même les tenues et on se sentait joueur. C'est à Sousse, et on avait battu... En direct, le match. Oui, non, à l'époque on faisait tout en direct. En direct, mais en volé. Hein. En direct, en portable, parce qu'on on doit payer. Mais on dit, je vais fermer les yeux, non. Attendez, je vais rappeler l'action. Récupération de balle de Hachou, il s'en va, attention, une bonne balle d'Hachou, il s'en va, il a tiré, il bute. C'est ça, je crois. Ouais. Non, mais c'était tellement vite parce que il avait pris le ballon, il avait débordé, il y avait un joueur égyptien qui était revenu pour le contrer, la balle avait ricoché, il a continué l'action et il avait marqué. Mais Hachou, c'est particulier, Hachou. C'est Kraouche quoi? C'est Kraouche, je me rappelais Kraouche, ça remonte à loin ça, hein. C'était en 2004 ça, il y a 11 ans, il y a 11 ans déjà. J'ai pas de problème, avec mes amis égyptiens, avec tous les journalistes, hein, pas seulement les égyptiens. Les égyptiens, ils sont un petit peu hypocrites, alors je vais vous dire. Ils sont bien, à un certain moment, ils vous lâchent. Hein. J'avais fait un match, le fameux match Algérie-Égypte, où il y a eu la castagne, la fameuse histoire Belloumi, qui n'est pas l'histoire Belloumi, c'est toute une histoire. 84. Alors vous arrivez en Égypte, vous allez à la maison de la radio, ils vous reçoivent, ils vous donnent votre accréditation, qui te fait prendre un café, chai et tout. Il vous dit, vous voulez venir chez moi manger, vous dites la saha, merci. Le lendemain, moyennement, la veille du match, tout juste il vous dit bonjour, et le jour du match, il vous parle pas du tout. Tu le regardes, tu lui dis salam alaikum, il fait semblant de ta part. Parce que ça y est, c'est le match, ils sont comme ça, mais on n'est pas rancuniers, nous les Algériens. Je me rappelle de ce match parce que un des Égyptiens qui nous avait bien reçus était assis à côté de nous, et il y avait la bagarre dans la tribune, ça y est, salat et tout. Puis il y avait comme le western, les chaises, on cassait des chaises. Moi je parlais en français, chaîne 3 et tout en français, quelqu'un d'Ajaim Faransa, ma chère Arbé. Et j'ai rien reçu. Sauf à un certain moment, quand le technicien qui s'appelait Adamo commençait à me parler en arabe. Ah, M'shin Harbo et tout. Puis j'ai reçu un coup de pied. C'est là qu'ils se sont aperçus. Mais avec l'Égyptien qui nous avait reçu. Après le match, il est venu à l'hôtel. Et ainsi de suite. Moi, je ne suis pas rancunier. Les agents, ils ne sont pas rancuniers. Il arrive, Allah, wallo. Il y a le goudron de l'aéroport au centre-ville. Après, c'est la terre rouge. Tu ne peux pas te perdre en Afrique, sauf si maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire en Afrique? L'Afrique du Sud, c'est trop cher pour nous. Non, en Afrique, non, c'est la sécurité totale. On allait même dans les marchés où ça sentait pas bon entre nous. Les merdes chez Ched. Ah là, j'ai un ami à moi, il est rentré chez Mreham. Non. C'est les odeurs des marchés. Ils avaient le poisson séché. Non, il faut le comprendre dans le bon sens. En Afrique, vous avez les senteurs africaines.
c'est particulier. Vous avez, ils ont leurs coutumes, ils ont leur façon de manger, ils ont. Aqaqar tawahum, hna anna l'akli, anna filfilkhal, anna ras l'hanout, mais ils ont leurs produits à eux. Mais les odeurs tawahum, nous, manhamlouhum. Mais pour eux, ça doit être bon, hein. Le ragoudi, c'est un gros rat. Ouais. T'as le khla. Oui, t'as le khla. Il y avait. C'était en. Voilà. Moi, c'est au Burkina Faso et c'est dans un grand hôtel, 5 étoiles. Les gens, ils viennent à la carte et ils demandent du ragoudi. Et c'est un gros rat, t'as le khla, bien dans un plateau recouvert. Et qui le commande? Dominique Colonna, c'était un grand gardien de but français. Ah, eh bien, Dominique Colonna, il a mangé du ragoût des Roya. Il y a un chef Burkina Faso. Tu enlèves le couvert, tu vois le ragoût des Roya qui n'a plus envie de manger. Une dégoût, t'es glace. Non, mais ça se mange et c'est sur la carte des grands hôtels. Ah ouais. Non, moi je vois à moitié les choses. Je vois pas l'équipe nationale remporter le trophée. Non, ça va être difficile. Peut-être qu'on va aller au deuxième tour. Hein. Peut-être, je dis peut-être, mais c'est pas facile. Hein. Avec le Ghana, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Le premier match est important. Il faut le gagner. Si on gagne le premier match, on est pratiquement au deuxième tour. Mais après, ça va être difficile. C'est peut-être l'excès de confiance qui va faire que l'Algérie va rater sa Coupe d'Afrique des Nations. On va y aller avec l'idée qu'on va remporter. On est la meilleure équipe d'Afrique. On est l'équipe la mieux classée au classement FIFA. On est la meilleure au niveau africain. On est premier. On a les meilleurs joueurs, les Brahimi, les Ferouli, X, Y et Z. C'est ça qui va faire que l'Algérie va rater. Le Mali. Le Mali, ils sont pauvres, mais ils sont naïfs. Le Mali, les gens, ils aiment tout le monde. Hein. Blanc, noir, peu importe votre religion, d'où vous venez. Je connais des Maliens, alors j'ai été peut-être 3 ou 4 fois, et j'ai un Malien, à l'époque, je fumais. Et j'achetais des cigarettes chez lui, pas de publicité, j'achetais des cigarettes chez lui. Et par cartouche, hein. Et après, je rentrais, bon, rentrais en Algérie et tout. 2-3 ans après, je retournais dans ce même bled et je retrouvais le même vendeur de cigarettes. Et on se faisait la bise. Donc maintenant, il va attention, c'est un Ebola, il faut. Ben là, on sait jamais. Et on se faisait la bise, et il me posait des questions, la famille, ça va, comme si on se connaissait depuis longtemps. Non, les Maliens, c'est autre chose. Oublie des soucis, c'est bien faire la folie. C'est le pays des hommes intègres. Les Burkinabés, alors je vais raconter une histoire. Les Burkinabés, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, à l'époque, il n'y avait pas l'euro, il y avait les francs français. Et je fumais également et j'avais pris un billet de 500 francs que j'avais mis dans la pochette en nylon entre le paquet et la pochette. Et j'avais mis dans ma poche. Et on est rentré dans ce fameux marché où je disais il y avait les odeurs. Il y avait avec moi quelqu'un et qui est ressorti, donc je suis resté seul. Et un petit gamin venait derrière moi, il me tirait par la manche. Hey, « Eh monsieur, il faut venir. Monsieur, j'ai besoin de vous. » Je dis « Non, j'achète pas, laissez-moi tranquille. Hey, »« Eh monsieur !» Puis je me suis retourné, il avait trouvé mon paquet de cigarettes et avec 500 francs, il me les avait rendus. « Monsieur, vous avez perdu de l'argent. » Non, c'est le pays. Alors là, j'ai demandé pourquoi on les appelait le pays des hommes intègres. Ils disaient que chez eux, il n'y avait pas de gens qui vous volaient tout. Si vous avez un problème à Ouaga et vous faites voler, il n'est pas burkinabé. C'est quelqu'un qui est venu des frontières, le Ghana, le Mali, les frontières. Il rentrait par les frontières. C'était pas des gens à eux. Pour les femmes, c'est le tissu. Alors, si vous avez des enfants, non. Si, pour votre femme, c'est le truc djiblir comme ça à l'Afrique, avec les motifs et tout. Vous avez les petites statuettes, éléphants, lions. C'est ça les souvenirs, hein. Il n'y a rien d'autre. Vous n'avez pas ramené du chocolat, vous n'êtes pas en Suisse. Eh bien, je parlais de statuettes d'éléphants. J'aime bien acheter les éléphants. Alors, c'est une série que j'avais achetée. Je ne me rappelle plus dans quel pays d'Afrique. Une série, il y avait le grand, le moyen, et les petits qui suivaient derrière et qui sont toujours à la maison. Vous avez un truc, il ne faut jamais acheter de l'or en Afrique. Si on vous propose de vous vendre de l'or, n'achetez pas. Vous ne connaissez pas déjà la valeur de l'or, il est à combien de carats.
Et vous avez le 18 carats et tout et tout. Le 12, ou monsieur Caraga. Vous arrivez chez vous, vous le donnez à votre femme qui est tout, votre enfant ou la fille, elle est toute contente. Et trois jours après, ça devient tout noir. Vous allez chez le bijoutier, vous lui dites, oui, chez les tout. Le flic. Tous les commentateurs ont un club préféré. Et je vous dirais encore mieux. J'étais commentateur sportif. L'USMA était dans la misère à l'époque. Elle jouait en deuxième division. Il y avait la régionale. Et c'était les vendredis que l'USMA jouait ses matchs. Et j'allais au stade. J'avais une carte professionnelle. J'avais un ordre de mission. J'avais le droit d'y aller au stade. Et je payais ma place et j'allais au virage de Bollorin. Le virage était pratiquement vide, surtout en hiver. Je me rappelais d'un match, c'était contre Saint-Roselin. Il faisait tellement froid qu'on était une dizaine. Et puis voilà, et puis on s'était recroquevillés, on dirait des moutons les uns dans les autres. Et l'USMA avait gagné 2-1 et je payais ma place. Je cotisais pour l'USM Alger. Il y a des journalistes qui ne le feront pas. Tout le monde a une équipe, c'est vrai. Moi, je suis USMA et j'ai toujours été USMA. On est de père en fils USMiste. Et Inch'Allah, je le resterai. Mes enfants sont USMIS, quoique ma femme est JSK. Samin, Botomin, Yahlev, Mimin. Ça, c'est rien. Et Yahoud Tene, c'est comme maintenant CRB, Ali Shabab Zouj. Quoi, c'est nouveau pour eux, hein. Non, l'USMA, il y en avait des chansons d'USMA. Vous savez, une fois, j'ai été voir une finale de Coupe d'Algérie, USMA Hamal Annaba, c'était en 1972. J'étais jeune, j'étais pas encore à la radio. Le stade était la place du stade était symbolique, c'était un dinar symbolique. Oui, c'était à l'époque de Houari Boumdine Lairahmo. Et puis c'était le dinar symbolique. On avait un tout petit ticket et il fallait aller au stade très tôt le matin. Et j'ai été à 7h du matin et le match était terminé à 23h. Il y a eu la prolongation et tout et tout et tout. Mais il fallait aller au stade à 7h du matin pour voir un match de football. Alors, ma première finale de Coupe d'Algérie de l'USMA, puisque maintenant on va revenir un petit peu, c'était celle de 1969. USMA CRB, il y a eu le 1-1, le 5-3. Ça, c'est pour venir à l'USMA. Quand l'USMA perd, je ne pleure pas. C'est vrai, ouais. Non. Rajelounos. Nif, non. Monsieur Rajel Mebkish. Quand l'USMA perd, soit. L'USMA a toujours bien joué. Soit elle a perdu par manque de chance. C'est-à-dire, l'USMA CRB de 1-1 match à rejouer, l'USMA avait gagné ce match-là. Le match de l'USMA avait marqué un second but. Et on a fait rejouer le match deux jours après. L'USM Alger avait perdu. Ça, c'est une USMA Hamala Annaba, c'était autre chose. Contre Hamala, c'était autre chose. On croyait que l'USMA allait rentrer avec son équipe type. Et l'USM Alger a perdu. Il n'y avait pas l'équipe type. Elle a perdu. Ça, c'est une autre paire de manches. Goal.com. Mbrok alaykoum. Ou tibouna. Ou Am Saïd. Gossam Gass.